Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gorgés d'eau, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin et le soir, ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre sont également bons? La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ses années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée.